aussi? Ben oui, d'accord. D'accord. Alors, Kevin, la suite là maintenant. Oui, eh bien, notre invité qui va venir maintenant vient du pays de la vieille babouchka. Babouchka, c'est quoi ce babouchka? Eh bien, en fait, c'est une vieille femme qui avait hébergé trois hommes, trois inconnus, donc elle ne connaissait pas. En général, des inconnus, c'est souvent comme ça, Kevin. Oui. Et qui les avait suivis jusqu'à Bethléem avec un morceau de pain noir, c'était donc son seul bien. Et là, elle l'a déposé dans la crèche, donc la crèche où allaient les trois inconnus. Et c'est de là que vient notre invité. C'est ça. Eh bien, la légende de Babouchka est très ancienne. Et elle vient d'un pays de neige, la Russie. Et c'est de là que nous vient notre ami Vadim Pienkov, qui va nous interpréter la passion des bougies. La passion des bougies, Vadim Pienkov. Nous l'accueillons. Сейчас жили по свечам, тлевшим нечет и лечет. Жизнь ручьем течет, черным жив ли или мертв. Мягок или черст, черт с ним, чайник на столе чахнет, ветка сирая сирени лягут, лягу на стекле. Тени от моей летней мудры летут, сломлен или упрямый. Все равно найду и там, и тут. Свалят с волокут в яму, а пока живешь, песни голосишь. Чего ты? Чего ты? Ты пой, пока поешь. А ну и что ж? Господи, услышь, Боже, да que le vent mouche nos
Voilà, Madame Pinkov de la bougie au micro. Alors dites-moi, la légende de Babouchka, vous connaissez? Oui, Babouchka. Oui, vous nous dites, c'est quoi la légende de Babouchka? Hein? Le Babouchka, c'est quoi? Babouchka, c'est grand-mère. C'est dans de mère? C'est grand-mère. Oui, c'est grand-mère. Oui, oui. C'est grand-mère. Et vous chantez, vous nous avez apporté quelque chose? Non, cette fois-ci, non. Mais je veux vous montrer petit morceau de Brel, parce que moi, je chante Brel et j'ai appris cette langue, le français, en attendant. C'était La Fontaine qui a chanté à Moscou. C'était 86. Brel à Milton, c'était spectacle où étaient Moran et Louis Forestier. Il a chanté, ils ont chanté les chansons de Brel. Et ce temps-là, j'ai pris les dictionnaires, les manuels de français pour chanter Brel aussi. Et maintenant, je le traduis, les français. Alors, avant, puisque nous avons parlé il y a quelques instants de grand-mère, eh bien, moi, je vous propose de savoir si vous nous avez apporté une babouchka. Oh non, je vous ai apporté le grand-père. C'est Père Noël pour les Russes. Il s'appelle en russe Djet Maros. Djet Maros. Alors, Djet ça, Maros. C'est Djet Maros. Voilà, on va voir ce que c'est. Oh voilà, c'est merveilleux ça. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes l'interprète, vous venez de le dire, un interprète fanatique de notre grand chanteur Jacques. Alors, quelques petits extraits en russe? En russe. Если при Китали повстречались с седою эской, если белая Фрида стала зноне толстухой Марго, если б осени дети вновь вернулись, но только весной, и туманные дали трепетали под летней грозой, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plapé, qui est le vôtre. Merci, Valérie Cavin, c'est vraiment très beau. Avant de nous quitter, parce que c'est merveilleux d'avoir votre voix, être merveilleuse, et puis cet accent extraordinaire. Alors, vous nous proposez, si vous voulez bien encore, avant de nous quitter, un air russe traditionnel. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est une chanson de l'arbre de Noël, après Noël, qui était dans la rue. Elle se souvient que c'était beau, Noël, mais maintenant, elle est déjà... inutile. C'est l'adieu d'un arbre de Noël. Oui, oui, c'est l'adieu. À vous, Vadim Pinkov. Oui, oui, oui. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых, где-то по комнатам ветер прошел. Там поздравляли влюбленных, где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Quel bel adieu. C'est beau, non? Et si on écoutait une nouvelle fois le Golden Gate Quartet?